D'accord. Ça prend, ouais. De quoi? Non, rien. Bon alors, t'en es où au niveau du son, toi? Ça avance? Ouais, pour le son, alors c'est bon, j'ai trouvé un ingénieur du son. Donc avec sa bijoute, il nous prend 100 euros par jour. 100 euros par jour? Ouais, donc moi je trouve ça correct. C'est cool. Ouais. Mmh. En revanche, il faut juste que tu me... Niveau des disponibilités, il faut qu'on bloque ça le plus rapidement possible. D'accord. Parce qu'il n'est pas dispo tout le temps, donc du coup, il faut que je lui donne des dates précises pour que... Ouais, il gère son emploi du temps. 100 euros par jour, voilà. Bah, c'est cool. Alors moi j'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Gainsbourg, Baudelaire. Oh, il y a sûrement d'autres. Enfin là je te dis si tu me viens à la tête, comme ça. J'aime beaucoup aussi Courbet, les tableaux de Courbet. Pour moi c'est des gens qui n'ont pas eu peur de représenter l'amour et le sexe. Ils ont choqué, ils ont été censurés, mais bon. Tiens, bah, je vais te lire un truc tiens, sur Courbet pour te montrer un peu ce que je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour la lumière. Bah, c'est pas la peine, vu qu'on tourne en basse lumière. Et puis bon, grâce à sa virtuosité, l'origine du monde échappe cependant au statut d'image pornographique. Son œuvre est désormais présentée sans aucun cache et retrouve sa juste place dans l'histoire moderne. Alors moi, il y a deux choses que je veux te montrer par ça. Déjà, c'est mon attachement à ce destin. C'est vrai que moi, j'aspire aussi à cette reconnaissance-là. Bon, ben, je suis pas Courbet ni Gainsbourg, mais en tout cas, j'aspire à ça, vraiment, sincèrement. Mais surtout, ce que je veux montrer... C'est dans la conscience collective, on distingue clairement virtuosité et retrouve sa juste place dans l'histoire moderne avec la pornographie. Voilà, moi je veux allier virtuosité et pornographie, tout simplement. Si on peut tourner, il faut une autorisation pour tourner dehors, c'est sur l'espace public. D'accord, ok, ouais, je vois. C'est sur la chaussée. Ouais, je m'en étais occupé une fois. Appeler la mairie pour savoir si on peut le faire et leur dire qu'on est une petite équipe, bref, d'accord. D'accord, pas de soucis. Je pense pas que tu sois obligé de leur dire qu'on fait du porno. Hein. Je m'en occupe par contre, toujours pareil, il nous faut les dates. Vite. C'est pour ça qu'il faut faire ça le plus vite. D'accord. Ok. Voilà. Et les comédiennes, t'as vu des gens toi? Ouais, alors donc, les comédiennes, donc j'ai eu quelques réponses concernant l'annonce que j'ai passée. J'ai commencé à faire des castings. Sincèrement, ça vaut même pas la peine que je te montre les essais. T'es sûr? Ouais, franchement, ouais. Je sais que ça te plaira pas. On n'est pas sur des débutantes, on n'est pas sur des filles qui font fraîches, naturelles, tu vois, on n'est pas du tout là-dessus. On a les anciennes comédiennes des précédents tournages. Enfin, je veux dire, je sais que ça te plaît pas, c'est pas la peine, ça coïncide pas avec ce qu'on cherche. Bon, ça on le savait, ça va être plus difficile puisqu'on cherche quelqu'un d'autre. Donc le problème c'est que, voilà, trouver une fille avec un petit cachet, c'est hyper galère, tu vois. Super galère. Bon, toi, quand j'ai vu mon père, moi, il m'a proposé quelqu'un. Ouais. Comme ça, pour déconner. Mais, moi j'ai un peu réfléchi. Au début, j'étais un peu gêné, je me dis, attends, il me propose, ça s'appelle Emmanuel, c'est une copine, quand on était en primaire, il me dit, bah tiens, pourquoi pas Emmanuel? Bon, moi je souris un peu, je leur dis, oui, d'accord. Et là, je suis en train un peu de réfléchir, et finalement, bon, là, les comédiennes, c'est une comédienne, bon, toi, qui fais pas forcément du porno. D'accord. Et du coup, bah, je vais un peu parler, je l'ai vu. Ouais. Je lui ai dit ce que je faisais. Ok, et alors? Bah écoute, ouais, elle a pas dit. Oh. Ouais. Et c'est peut-être faisable. Peut-être faisable. Bon, en tout cas, il faut que je lui parle du projet, quoi. Faut que je lui parle tout ça, faut que je la revoie, faut que j'essaie de faire un petit casting. Bah écoute, on peut faire un casting à la maison, tu peux lui faire, la faire venir, on fait ça tous les trois, tu vois. Mais je me dis, toi, ouais, ça peut le faire. Ouais, très bien. Bon, bah c'est cool, ouais, propose-lui. En tout cas, elle est très sympa. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Hein. Et physiquement, elle est comment? Elle est bon. Brune châtain, pas très grande, elle est assez mimi, même on peut le dire, elle fait assez jeune. De corps elle est bien, elle est... Ça va. Ouais, c'est bien ça, bah fais l'avenir, enfin essaye de la faire venir pour un casting quoi. Ok. Une fois ton appart. Ouais, on fait ça à la maison, pas de soucis. Génial. Emmanuel, c'est ça? Emmanuel. Okay. Bon, bah, nickel, de toute façon il faut, tu vois on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et puis bon, autant... Autant se le tenter. Ouais, autant battre toutes les cartes. Autre chose? D'autres trucs? Bah non, je te dis, maintenant, il faut se pencher sur les dates, quoi. Ça, c'est bien l'effet, les marches, tu sais, tu vois à travers les marches en...
Pas mal. À faire, tu sais. Et tu vois à travers comme ça avec des rayures, tout ça, je trouve ça. Ça, c'est assez érotique, ouais. C'est bien ça. Mais bon, c'est un peu cliché, là. Puis d'un coup, voilà, là, quand il vient à lécher, d'un coup, il n'y a plus d'effet, il n'y a plus rien. On tombe direct, on revient dans un plan classique, il n'y a plus rien d'original. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, elle avance. Ça lui fait rire. Ah ouais. Tu vois, c'est elle. C'est un peu plus. Un peu plus. Là, on est dans le summum, tu vois. De... ouais, là, pour le coup. Bon, allez, arrête, passe à autre chose. Attends, je vais juste te montrer la scène qui m'intéresse. Parce que là, on était dans le. Ah, parce que t'as quand même une scène qui t'intéresse. Ouais. Elle est là. Elle est là, Lucie. Tu vois que le mec est déjà en érection. Tu vois, la crédibilité. Oh, regarde, le mec est déjà en érection. Mm-hmm. T'as vu ou pas? Il a pas de slip. Ah oui? Pas de caleçon. Et il est déjà en érection. C'est nul. Attends, je t'avance parce que là, c'est pas elle. Elle arrive dans cette scène. Merde! Oui, il faut parler d'image de la femme, de cette femme objet là, qu'on rend dans le porno, qu'on connaît tous là. Parce que c'est sûr que si tu confies ce boulot à des gens qui n'ont pas de talent, et c'est juste pour faire du fric, c'est sûr que l'image de la femme va être négative. Ça fait du bruit elle en tout cas. Bon, pause. Alors, on était... Bon, moi, quand j'étais ado, la vérité, je peux te dire, c'est que avec mes bandes de potes, on n'était pas très... Bon, voilà, on n'était pas très doués avec les filles. Autant dire qu'on était nuls. Et donc, un jour, en rigolant, j'ai dit, bah tiens, mais on va faire du porno, les mecs, comme ça... Bon. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. Comme ça, tout a commencé. Mais ça me plaît. Salut, ça va? Oui. Et toi? Et alors? Oui. Toujours. Bonjour, je suis Pierre. Pierre? Emmanuel. Mon assistant, salut. Enchanté. Voilà. Et c'est notre petite équipe aussi. Oui, tu m'as. Donc, merci d'être venu déjà. Vas-y, oui. Installe-toi, mets-toi là. Je te prends tes affaires. Pas de. T'as une question avant que. Là, je vais préparer la caméra. D'accord. T'as une petite question avant, là, tout de suite? Tu te gênes, là? Bon, je te laisse, Pierre. D'accord. Ouais. Oui. Donc toi, ça fait longtemps que tu travailles avec Yannick? Ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble. D'accord. Voilà. En fait, on s'est rencontrés... Tu me dis stop? Pardon. Ouais. C'est bon. C'est bon? Oui. En fait, on s'est rencontrés sur un tournage traditionnel. Et puis, on a un peu discuté, on avait les mêmes idées, les mêmes envies, tu vois. Donc, du coup, on a décidé de bosser ensemble. Donc, d'accord. Un coup, c'est lui. Merci. Qui réalise et je suis son assistant. Un coup, c'est moi qui réalise, il est mon assistant. Et puis ça marche bien comme ça. Donc après, vous avez monté la boîte de prod. Et là, donc c'est voilà. Votre quatrième film. Quatrième film, voilà. D'accord. T'en as vu un peu des précédents, non? Oui, il m'a montré des extraits la dernière fois quand on s'est vu. Il m'a montré. D'accord. Un petit peu les différentes choses au fur et à mesure des films. Il m'a surtout bien expliqué ce que vous cherchiez à faire. D'accord, c'est bien. Voilà. Ok, super. Okay. Et donc vous connaissez depuis longtemps? Depuis, hein? Ouais. Depuis longtemps, depuis, et moi j'habite toujours à côté de chez ses parents. Très bien. Voilà. Bon, c'est cool. Bon, bah on va. Je t'explique un peu comment ça va se passer. Donc, on va. C'est moi qui vais tester. D'accord. C'est Pierre qui va filmer. Très bien. C'est ce qu'on avait dit. D'accord. Pierre. Donc je te rappelle mon projet. Moi je voudrais faire une référence à Blowjob de Andy Warhol. Mm-hmm. C'est un film qui dure 35 minutes, c'est un plan séquence, tout filmé, c'est une fellation tout filmé du point de vue de l'homme qui ressent ce qui lui arrive pendant la fellation. Et donc moi je voudrais faire référence à ça. Dans d'accord. Le film. Bon, ouais. Là on va pas faire ça. On va tout de suite, ça sera pendant le film.
Là, on va nous filmer tous les deux, ils nous filment tous les deux, et on fait la fellation. Sur ce qu'on s'était dit. Voilà. D'accord. Non. Bon, ça n'a pas duré 35 minutes, hein, rassure-toi. Non. Non, mais je m'inquiète pas. Ça... C'est bon, t'es prête? On va y aller? Parfait. On va se mettre là-bas. D'accord. Est-ce que tu veux que je reste habillée comme ça, ou tu veux que je... Bon, c'est pas change, non, c'est pas j'avais fait. Prévu... Je te fais comme d'habitude. Bah, d'abord, tu restes, tu bouges pas. D'accord. Voilà. Et je veux bien que tu fasses un tour sur toi-même, mais lentement. D'accord. Ok, donc vas-y. Ok, super. Nickel. C'est bon? Ouais, regarde. Okay. Ouais, on y va. Voilà. Ouais, je te dis action. D'accord. Nous avons des petits pieds à tout le temps qui cadre. Ouais. Attends. Attends, légèrement. Voilà, voilà, super. Okay. Tu nous dis. Et moi je suis bon, c'est quand vous voulez. Ok, t'es prête? Ouais. Attention. Le sexe, c'est quelque chose de beau. Faut le défendre. On est tous le résultat de cet acte, et pourquoi avoir honte de ce qui est naturel? Moi, je trouve qu'il y a une grande hypocrisie en général dans ces choses-là. Après qu'on me dise alors, c'est l'exploitation commerciale des corps, moi je veux bien. Mais alors ceux qui font du cinéma, le théâtre, et puis je parle pas du mannequinat, on pourrait dire pareil. Mais franchement, il y a combien d'hommes et de femmes qui ont couché pour avoir un rôle? Hein? Eh ben moi je dis au moins le porno il a cette franchise là. Tu couches, tu sais coucher, c'est ton talent, tu vas nous montrer ton corps, et ben voilà, bon bah. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui. Ça va? Donc là, maintenant, ça se passe comment au niveau de... Quand est-ce que vous me donnez une réponse? Donc là, on va regarder les essais. D'accord. Ensemble, voilà. Et puis après... On va en parler. On va voir. Et puis moi, je te rappelle maximum d'une semaine. Hein, dans une semaine, d'accord. Pas, je te rappelle. Je te laisse pas dans l'expectative comme ça. Parfait. Sur nous, on va voir des comédiens là. D'accord. On va encore avoir rendez-vous cet après-midi. Et puis de toute façon... Il t'appellera, positif ou négatif, tu seras bon. Par contre, juste au niveau de tes disponibilités, donc tu nous as bien dit que là, tu étais pour les dates de tournage prévues pour l'instant, ouais. T'es dispo, hein, c'est ça? Pas de souci. D'accord. Cool. Très bien. Bon. Bon. On y va, je te raccompagne. Oui. Salut Pierre. Ciao Emmanuel. Merci, puis au plaisir. Ok? Ouais. Alors moi je dis, il faut arrêter l'hypocrisie. Moi je fais mon métier, je monte des corps nus, je monte des actes sexuels, mais j'essaie en tout cas vraiment sincèrement de les montrer sans vulgarité. Ouais. Et je dis, tiens, il y a un truc bizarre. Il voit un god avec des yeux. Non, 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 il dit pas ça. Il dit... God avec des yeux qui dit salut. Il dit, il y a un truc bizarre. Bon, attends, sérieux, vas-y, arrête, parce que là, on n'avance pas. Mais il dit, moi, je suis sérieux, là. Ouais, non, mais moi aussi, je suis sérieux. Attends, moi aussi, je suis sérieux, Yannick, mais c'est juste que je trouve l'idée bonne, mais en même temps, moi, c'est juste pour en arriver à... Enfin, tu vois, c'est juste que la crédibilité du truc, le mec, comment ça se fait qu'il va... Ah non, mais moi, je fais pas du crédible. S'en fout. La meuf, on dit qu'elle porte un god.
Donc toi, tu marres dans les accessoires. Apparemment, ça fait marrer. Apparemment, ça fait marrer. En tout cas, ça marche. Hein. Et tu marres dans les accessoires.